Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce Kama de Flemmard. Donc pardon, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous faire des Kama en faisant pratiquement rien. Donc, vous avez seulement à acheter des caps Obvi, Para et Relivant. Donc oui, ça va être de l'achat-revente de caps Para, Obvi et Relivant. Mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant parce que en effet... parce qu'en gros, les prix de ces caps sont vraiment, comment dire, instables. Donc une journée, vous allez les avoir à 500 000 et la journée d'après, vous allez l'avoir à 900 000. Donc du coup, si vous achetez les caps le bon jour et que vous les vendez le bon jour, vous pouvez vous faire un bénéfice extrême. Voilà, en faisant rien. Voilà quoi, vous les achetez, vous attendez un peu. Bon, des fois ça va prendre 2-3 jours, parfois c'est seulement un jour, et bim, vous les revendez, et ça part vraiment vite. Voilà quoi, c'est des caps Obvi, Para et Rolly. Tout le monde veut ça, tout le monde achète ça pour le skin. Voilà, donc je vais vous montrer un petit tableau qui montre les prix de la semaine. Donc, bon, j'ai pas fini la semaine parce que voilà, j'avais un peu la flemme, mais voilà, j'ai rentré 5, les données de 5 jours. Donc, vous pouvez voir. En gros, les prix qui sont affichés, c'est les prix les moins chers de cette journée. Donc, par exemple, la Cap of Vie level 20 le samedi, la moins chère était à 650 000, la Cap Para 530 000 et la Cap Rolly 750 000. Donc, comme vous pouvez voir, souvent les moins chers vont être les fins de semaine, tout simplement. Parce que, en gros, les fins de semaine, il y a le plus de gens qui jouent. Donc voilà, il y a plus de compétition en HGV, donc du coup les gens baissent les prix. Donc voilà, bon, sauf une petite exception, pardon, ici mardi, on a eu vraiment une chute de prix extraordinaire, mais normalement c'est souvent les fins de semaine que c'est le moins cher, et les milieux de semaine, voilà, qui sont le plus cher. Donc, vous voyez que dimanche, la Cap of Vie était à 620 000 Kama, et que mercredi, elle était à 880 000 Kama. D'ailleurs, j'ai pu le revendre à ce prix. La Cap Para level 20 était à 460 000 K mardi et le jour d'après était rendu à 750 000, donc 290 000 de plus, donc de bénéfices. Et la Cap Rolly level 20, le dimanche, elle était à 600 000 Kama et le mercredi aujourd'hui, j'ai réussi à la vendre la mienne à 950 000 Kama. Et même, je crois qu'elle est encore plus chère. Tac, 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 Cap Rolly 20. Donc voilà, 1 300 000 la Cap Rolly 20, alors qu'il était 600 000 Kama dimanche. Donc voilà, vous pouvez vous faire vraiment de l'argent. Bon, j'ai mis 950 000 dans le tableau, tout simplement parce que voilà, c'est le prix que je l'ai vendu aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Donc c'est en ça que va consister l'astuce, pardon. En gros, ce que je vous conseille, c'est pendant 4-5 jours, observer les prix sur votre serveur des Cap of Vie, Para et Relivant. Comme ça, vous pouvez vous établir une base quel prix c'est le moins cher et quel prix c'est le plus cher. Comme ça, la semaine d'après, bim, vous pouvez commencer en acheter et à les vendre quand ils sont au plus cher. Bon, là, donc j'ai fait un petit tableau, encore une fois, ici, qui va vraiment m'aider à illustrer les profits. Donc, par exemple, je sais pas moi. Donc vous n'êtes pas très riche, donc vous décidez de commencer une semaine en achetant deux caps de chaque élément. Voilà. Vous en achetez deux, ça va vous coûter quand même 3 359 000. Donc on va dire que vous avez une base d'environ 4 millions. Donc voilà, vous allez acheter 6 caps, donc deux de chaque. Ça va vous faire un profit quand même de 1 800 000. Donc, si vous les vendez au bon moment et que vous les achetez les moins chers. Donc voilà. Et si vous en achetez comme ça, deux de chaque à chaque semaine, pendant 5 semaines, ben, ça va vous faire un bénéfice total de 9 millions. Donc, on va dire que, voilà, vous commencez la semaine 1, vous en achetez deux. Après, voilà, vous voyez que ça marche bien. Du coup, vous en achetez 5 de chaque. Donc voilà, vous en achetez 5 de chaque. Donc ça va vous coûter 8 400 000. Mais vous allez vous faire un bénéfice de 4 500 000. Parce que vous allez y revendre 13 millions. Donc vous faites 4 500 000 par semaine.
et par exemple vous faites ça pendant 5 semaines, vous allez vous faire 22 500 000 de Kama. Exemple, je sais pas moi, vous voilà, vous voulez continuer, vous vous dites oh, on va faire ça pendant 10 semaines. Exemple, vous le faites pendant 10 semaines, voilà, ça va vous faire 45 millions de Kama. Maintenant, vous êtes vraiment rendu accro à cette astuce Kama. Du coup, vous décidez d'acheter 10 de chaque cap par semaine. Voilà, ça va vous faire 9 millions par semaine. Et pour 10 semaines, vous allez vous faire 90 millions. Donc voilà, c'est vraiment super bien comme astuce parce que ça marche tout le temps. Il y a toujours des gens qui vont acheter des Capara, Obvi et Relivant, tout simplement parce que c'est voilà, c'est l'un des objets les plus vendus, parce que c'est pour le skin. Donc voilà, je vais vous mettre quelques screens de quand les caps sont les plus chers, quand ils sont les moins chers. Bref, vous allez voir. Donc voilà, donc moi j'espère que cette petite vidéo astuce Kama vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde. Adios.